Bon, alors, bonsoir à tous. Oui, je disais que j'allais laisser la parole pour commencer au commandant Wilfried Sleffy, qui est le représentant de l'ENSOSP. Et donc, il va introduire cette soirée avant que moi-même je reprenne la parole, peut-être, commandant Sleffy. Et bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, je vais pouvoir dire deux mots sur l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Alors, l'ENSOSP donc a plusieurs missions. Bien évidemment, la formation initiale et continue des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, ainsi que d'autres missions fixées par décret, dont la recherche. Et nous avons un département recherche avec le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile de l'ENSOSP, donc qui vise à initier, inspirer, faciliter, coordonner et promouvoir la recherche et l'innovation au profit de la formation des sapeurs-pompiers et de la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement. Donc, nous avons plusieurs axes stratégiques de recherche. Bien évidemment, la formation, l'innovation. Chaîne de commandement, situation d'urgence, de catastrophe et de crise, protection de l'environnement, développement durable et nouveaux risques de sécurité civile, ainsi que le retour d'expérience. Et nous proposons également chaque année plusieurs rencontres qui permettent de mener des réflexions sur des sujets variés et d'actualité, dont un format qui est le format nocturne depuis 2010. Une conférence en soirée qui est proposée chaque mois, qui est accessible aux agents de l'École nationale ainsi qu'aux formateurs et parfois à l'extérieur est rendue la plupart du temps obligatoire pour nos stagiaires. Donc c'est une tribune ouverte de culture générale ou professionnelle et ce temps permet de développer des thèmes parallèles et complémentaires aux enseignements de l'ENSOS sur des sujets très variés. Et donc, on a réellement une richesse grâce à ces nocturnes. Et alors, j'ai trouvé depuis 2015 au moins cette nocturne au cours de la semaine du cerveau. Donc, hormis si je fais une erreur, c'est au moins depuis 2015 que nous proposons cette nocturne en commun. Et donc, voilà, après ces quelques mots rapides, je vais laisser la parole à Olivier. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est même antérieur à 2015, notre partenariat. Je ne sais plus exactement la date. C'est antérieur à 2015. Donc, vous voyez, ça fait vraiment extrêmement longtemps que nous collaborons ensemble. Et vraiment, nous en sommes ravis au sein de notre association cerveau.com. Et donc, quelques mots justement sur la semaine du cerveau, même si pour beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, ça va vous paraître peut-être un peu redondant par rapport à ce que nous disons tous les soirs. Et pour les personnes peut-être qui se connectent pour la première fois, donc vous savez que la semaine du cerveau, c'est une manifestation nationale et même internationale qui est grand public et qui vise, comme le précisait Christophe Rodot tout à l'heure, donc à faire se rencontrer les chercheurs et le grand public. Alors, c'est une manifestation qui est organisée dans toute la France, donc, et à Marseille, c'est notre association cerveau.com qui l'organise avec un certain nombre de partenaires à la fois financiers et organisationnels. Bon, les partenaires financiers sont affichés ici, hein, évidemment, sans eux, on les cite toujours parce que sans eux, nous ne pourrions bien entendu rien faire, que ce soit la région, le département, la ville de Marseille. Également la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale qui nous a financés jusqu'ici, Neuroschool, et puis les laboratoires de neurosciences marseillais qui sont affichés en bas sur la deuxième ligne, là, qui nous aident également, qui contribuent également financièrement à l'organisation de cette semaine. Et puis nous avons des partenaires organisationnels, dont fait partie l'ENSOSP, qui nous accueille généralement lorsque nous pouvons organiser de vraies conférences en présentiel. Mais également d'autres partenaires, mais également des partenaires qui peut-être ne nous accueillent pas physiquement, mais qui contribuent énormément à la diffusion de l'information et de notre programme. Alors voilà, donc je voulais vous dire que donc, nous sommes très heureux de cette collaboration à nouveau cette année. Alors ce soir, nous avons choisi de traiter un sujet qui intéresse vraiment, plus spécifiquement ce que nous essayons de faire tous les ans, hein, de toute manière. Qui intéresse spécifiquement les sapeurs-pompiers, donc l'École nationale des supérieurs des officiers de sapeurs-pompiers.
Et le thème que nous avons choisi ce soir, c'est le cerveau et la prise de décision en conditions extrêmes. Alors, vous aurez deux intervenants parce que nous avons estimé qu'il était bien d'avoir un double regard, celui d'une part d'un professionnel sapeur-pompier et puis d'autre part donc d'un chercheur, et en l'occurrence ce soir d'une chercheuse en neurosciences. Hein, voilà, et donc ce que nous vous proposons ce soir, c'est d'avoir deux conférences successives qui vont être courtes, hein, un quart d'heure à peu près chacune, de manière à laisser vraiment la place au débat. Hein, ça se veut être une conférence débat, donc vous aurez deux conférences introductives et puis ensuite donc un débat qui va s'instaurer donc par l'intermédiaire du chat, hein, donc des questions que vous allez pouvoir poser et que je relaierai en même temps que en collaboration avec Wilfried Stefik. Hein, on va se partager un petit peu le travail, sachant que lui, ça sera plus les questions qui toucheront le domaine des sapeurs-pompiers et moi celles qui toucheront les neurosciences. Alors voilà, avant de commencer, donc quelques éléments de présentation de nos conférenciers. Je laisserai au colonel Stefik le soin tout à l'heure, après moi, de présenter le colonel Grouin qui commencera donc la présentation. Je vais vous dire deux mots sur Christelle Bonnez, donc qui ce soir va porter son regard de chercheuse. Christelle Bonnez est directeur de recherche au CNRS et c'est une spécialiste en neurosciences comportementales. Et donc, elle va pouvoir apporter son regard dans la problématique qui nous intéresse ce soir, qui est la problématique de la prise de décision. Alors, elle s'intéresse depuis longtemps à une région, à des structures du système nerveux central que l'on appelle les ganglions de la base. Vous savez, ce sont des structures qui sont impliquées notamment dans le développement d'une pathologie que vous connaissez tous, qui est la maladie de Parkinson. Et l'originalité de ces approches, c'est qu'elle développe des recherches translationnelles chez l'animal, le rat, mais également les primates non humains, le singe, et puis cela jusqu'au sujet humain. Et en fait, c'est une pionnière dans l'étude des diverses fonctions de ces ganglions de la base, puisqu'elle a montré notamment leur implication au-delà de la sensorimotricité, qui est vraiment la fonction initiale que l'on connaissait pour ces ganglions de la base. Elle a montré donc l'implication de ces régions dans des processus cognitifs, qui soient normaux ou pathologiques, comme les processus comme la motivation et précisément la prise de décision, qui est la problématique qui va nous intéresser ce soir. Alors, autour de cette problématique, Christelle Bonnez dirige une équipe de recherche au sein de l'Institut des neurosciences de la Timone, donc à la faculté de médecine de Marseille. Et voilà, je pense qu'elle va… Alors, ce que j'ajoute peut-être aussi sur les aspects pathologiques de ses recherches, c'est qu'elle a également montré, alors je ne sais pas où en sont vraiment ces recherches à ce stade, mais elle a montré que la stimulation d'une petite structure de ces ganglions de la base, qu'on appelle le noyau subthalamique pour les spécialistes, est une structure que l'on sait corriger certains déficits de la maladie de Parkinson, pourrait peut-être… être également très utile dans le traitement de certaines maladies ou certains désordres neurobiologiques, comme les addictions en particulier, et les désordres impulsifs et compulsifs. J'ai entendu parler de TOC notamment, alors je ne sais pas où en sont ces recherches à ce sujet. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire sur Christelle Bonnez, que vous entendrez donc tout à l'heure nous parler de des neurosciences en termes de prise de décision, et puis… je vais laisser la parole donc à Wilfried Stefik pour présenter le colonel Grouin qui va commencer donc ses présentations ensuite. Donc j'ai le plaisir de présenter le colonel Orclas Grouin, qui est directeur départemental et chef de corps du service d'incendie et de secours du Var, et qui a notamment été directeur adjoint du service d'incendie et de secours du Gard, également chef du bureau organisation et mission des services d'incendie et de secours à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Alors, en élément de présentation, je peux préciser que le colonel Orclas Grouin a une carrière qui l'a amené à commander de nombreux feux de forêt, dont ceux de 2003 dans le département du Var. Et il est aujourd'hui responsable pédagogique du stage national
chef de site feu de forêt à l'école d'application de la sécurité civile de Valabre, qui est le plus haut niveau de commandement pour ce type d'intervention. Et il est également intervenant en gestion de crise et communication de crise à l'ENSOSP. Alors, sa carrière l'a également amené à commander de nombreux épisodes dimensionnants dans le domaine des inondations dans le Var et dans le Gard. Et il a également pu occuper la fonction de chef de salle interservice national situation lors de l'ouragan Irma à la cellule interministérielle de crise du ministère de l'Intérieur en septembre 2017. Alors, je peux également préciser que le colonel Orclas Grouin est passionné de gestion de crise et s'intéresse plus particulièrement aux facteurs humains des décideurs opérationnels lors des process de crise. Mon colonel, je vais vous laisser la parole pour nous apporter votre éclairage hein, sur la thématique relative au fait que le métier de sapeur-pompier, que ce soit en situation opérationnelle ou managériale, impose une réflexion sur la notion même d'incertitude pour ensuite accepter de l'intégrer dans un processus décisionnel complexe. Merci Wilfried et bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour traiter ce sujet du cerveau et la prise de décision en contexte extrême. Je vais pour ma part m'intéresser à la prise de décision, et ce pendant 15 minutes, hein, c'est court, mais on va essayer de faire un petit peu le tour, pour laisser ensuite Christelle Bonnaise ensuite vous parler du cerveau plus spécifiquement. Comme la présentation vous l'a indiqué, je suis sapeur-pompier et ma vie professionnelle m'a amené à analyser les process de décision dans une profession en contact permanent avec l'urgence. Analyser également lors d'une situation d'opération dimensionnante, de contexte extrême, et d'étudier le rôle que joue l'incertitude, l'enjeu, la complexité dans la prise de décision. La question, et on le verra, mérite également d'être posée hors événement. Simplement, dans la conduite journalière de nos entreprises, nos établissements, nos administrations, dans un monde en perpétuel mouvement et dans lequel les notions d'instantanéité et d'incertitude sont très présentes. Nous allons commencer par le contexte de l'urgence, si vous le voulez bien. Dans mon contexte professionnel, et je salue, je sais qu'ils sont nombreux, les collègues qui suivent cette conférence, nous agissons quotidiennement dans l'urgence. Il s'agit de mettre en place pour nous une réponse opérationnelle rapide et adaptée face à un événement. C'est le quotidien des sapeurs-pompiers. Notre process est bien défini. Et en amont de l'intervention, un gros travail de préparation a été fourni. Analyse du risque, planification, réponse opérationnelle adaptée à la situation. Ces process impliquent que nous apprenions à réagir face à des situations les plus proches de celles pour lesquelles nous aurons statistiquement à intervenir. Nous reproduisons ces dernières en formation. Cette manière de faire nous vient également de notre historique lointain, l'ère du taylorisme, organisation scientifique du travail, qui permet de mieux produire en connaissant des process à appliquer en toutes circonstances pour diminuer, bien évidemment, la réflexion et par définition, qui peut, par définition, faire perdre du temps et donc de l'argent. Notre organisation vise à appliquer ces plans, ces méthodes définies en amont et chacun d'entre nous les apprend à les décliner et aussi à les évaluer pour les améliorer. C'est ce que vous voyez sur le slide, l'organisation apprenante. C'est d'ailleurs bien sur ces bases que la compétence se construit, qualification professionnelle déclinable en savoir, savoir-faire, savoir-être. L'approche par la compétence, le socle formatif de notre profession, implique de faire des mises en situation afin que nos personnels puissent apprendre les gestes techniques et les méthodes à employer. Par définition, ces situations se rapprochent du réel, vous l'avez compris, des situations connues, et on forme donc à réagir face à ces situations-là. Ce sont les mises en situation professionnelles. La compétence est donc bien de pouvoir réagir par des plans, des méthodes et des gestes appris face à des situations courantes. Cela correspond aux problématiques professionnelles de notre quotidien. Maintenant, la question qu'on va avoir à se poser, c'est lorsqu'on sort de notre quotidien, lorsqu'on sort de nos interventions courantes et qu'on arrive sur
ce que vous avez appelé, ce qu'on appelle le contexte dimensionnant. Qu'on l'appelle d'ailleurs le contexte dimensionnant, l'événement hors norme ou rare ou le contexte extrême, la question est de savoir ce qui se passe dans le processus de cette décision dans ce monde inconnu où l'enjeu, l'incertitude et la complexité sont hors normes. Un feu de forêt très important, plusieurs milliers d'hectares et des maisons brûlées. Les inondations de 2010 dans le Var, où nous nous retrouvons avec un phénomène climatique soudain, entraînant perte d'électricité, perte de téléphone, perte de nos radios sapeurs-pompiers, coupure de route, personnes piégées dans les rues, sur les toits. Pire, nos outils, nos casernes inondées, notre état-major avec notre salle de commandement inopérant et la liste des personnes décédées qui devient dramatique. Ces événements importants qui impactent les organisations par le biais de multiples problématiques, indépendantes ou liées entre elles et concomitantes, cette phase est appelée le déferlement par Patrick Lagadec, qui est un grand chercheur français sur ces phénomènes de gestion de crise. Cette somme de difficultés est le début d'un cycle qui va impacter notre organisation. Les plans, ceux-là même qui nous rassuraient, qu'on a construits, ne fonctionnent plus. Et tout cela devant un événement souvent mortel, destructeur, dans le sens propre ou bien dans les domaines de la réputation, de l'économie, de la politique. Cela place l'individu, y compris le leader, dans un contexte d'angoisse, d'impossibilité d'agir, d'inertie. Et les facteurs humains rentrent en jeu pour migrer du déferlement, comme vous l'avez vu sur le slide précédent, au dérèglement dans l'organisation. Chaque individu mettant en œuvre ses propres défenses, nervosité, sidération, hyperactivité. Ce cycle amène la cellule de crise, celle-là même qui est prévue pour trouver des solutions, pour régler la problématique, à une déstabilisation majeure. Les hommes et les femmes qui la composent passent d'un tout à une somme d'individus avec leur propre histoire, leur propre peur, leur propre vécu, et cela amène ces individus à la divergence. C'est ce qu'on appelle et c'est ce qu'on qualifie de crise. Je vous ai donné deux exemples des définitions. La première de Gérard Pardini, ancien préfet qui dirigeait l'Institut national des études de la sécurité et de la justice, qui dit que c'est un phénomène naissant au sein des organisations mis en éveil par un événement déclencheur et dont la gravité peut être amplifiée par la présence de facteurs aggravants. Et celle de Patrick Lagadec, qui dit qu'une situation de multiples organisations aux prises avec des problèmes critiques, soumises à de fortes pressions externes après tensions internes, se trouve brutalement et pour une longue durée sur le devant de la scène, projetées aussi les unes contre les autres. Le tout dans une société de consommation de masse, c'est-à-dire en direct avec l'assurance de faire la une des informations radiodiffusées, télévisées, écrites sur une longue période. On voit bien l'importance de la médiatisation également sur ce phénomène. Le pilotage de crise. Face à cet emballement, à cette déstabilisation extérieure, mais aussi intérieure, à partir des individus mêmes, vous l'avez compris, liés à l'organisation, il faut réagir. C'est vital pour l'organisation. C'est ce qu'on appelle le pilotage de crise, ou la gestion de crise un peu plus improprement. Le concept de base, c'est qu'il faut sortir du plan, puisque celui-ci ne fonctionne pas. Il faut donc agir, c'est-à-dire décider, mais bien évidemment dans l'incertitude. Attendre la vision parfaite reste une dangereuse utopie. Et sa quête, bien évidemment, peut mener à l'échec. Attendre la certitude pour agir, c'est forcément perdre l'initiative et laisser passer les conditions favorables. C'est le général Desportes, dont je vous recommande le livre « Décider dans l'incertitude » aux éditions Economica. Foch disait également que l'inconnu est le facteur qui gouverne la guerre, c'est-à-dire que la planification et l'action doivent en tenir compte. C'est en fait, et c'est fondamental, le principe de la rationalité limitée. Donc, un mode de pensée rationnel, mais que limite trois facteurs. Un, l'information est toujours imparfaite. Deux, l'impossibilité d'envisager toutes les solutions. Et trois, l'incapacité d'analyser celles-ci jusqu'au bout de leurs conséquences. La conclusion de cela, bouleversante pour l'esprit occidental si cartésien, c'est que la conduite l'emporte sur la planification. D'ailleurs, Patton le disait aussi en indiquant que les généraux victorieux font des plans qui s'adaptent
aux circonstances, ils ne tentent pas de créer des circonstances qui s'adaptent à leur plan. C'est bien ce phénomène, cette conduite qui doit être présente dans la conduite de crise ou évitement de crise, créer, adapter, improviser au sens étymologique du terme, c'est-à-dire inventer, doit prendre le pas sur le plan. On voit bien à travers ces mots que l'incertitude doit faire partie de notre raisonnement. Edgar Morin disait « Si l'ignorance de l'incertitude conduit à l'erreur, la certitude de l'incertitude conduit à la stratégie. » Relisez-le après, vous verrez, c'est fort. L'intuition, la prise de risque, la rationalité limitée doivent permettre au leader, en ajoutant cela au renseignement bien évidemment, de décider. Dès lors que des phénomènes de plus en plus atypiques viennent bousculer nos habitudes, notre planification, nos études, nous devons nous tourner vers cet enseignement de la gestion de crise, du pilotage de crise. Les gouvernances en général doivent s'y engager. Les phénomènes dimensionnant en sécurité civile sont nombreux, mais également dans le domaine sanitaire. Je ne vous donnerai pas d'exemple, puisque on en a un quotidiennement depuis un an. Et dans d'autres domaines encore. Nous avons vu le quotidien, nous avons vu qui est pour nous l'urgence, nous avons vu l'opération dimensionnante. Mais en plus d'être chef de corps départemental, je me trouve être directeur d'établissement public, le service départemental d'incendie et de secours. Et on peut se poser la question dans la réflexion, dans ce management de quotidien, de ce que devient cette prise de décision à l'incertitude. La gestion ou l'acceptation, plutôt, devrais-je dire, de l'incertitude. Des études montrent que des décideurs ont à peu près aujourd'hui 15 fois plus de décisions à prendre qu'il y a 20 ans. On voit bien que les trajectoires, les programmations se trouvent contrariées par de multiples événements non prévus, d'autant que nous sommes dans un effet sociétal d'instantanéité dont les réseaux sociaux sont souvent les porteurs. Pour nos collaborateurs, pour nos futurs ou potentiels, il faudra détecter cette aptitude à profiter des événements pour créer cette aptitude à inventer, cette aptitude à s'adapter. Certains théoriciens du management parlent d'employabilité. L'employabilité, pour eux, c'est la compétence multipliée par le talent. La compétence, on l'a vu, c'est ce qu'on sait faire, ce qui permet d'agir ou de résoudre des problèmes professionnels de manière satisfaisante dans un contexte particulier, en mobilisant diverses capacités de manière intégrée. Le talent, c'est plus personnel, c'est plus intrinsèque à l'individu. D'ailleurs, chaque individu peut avoir un talent dans un domaine. En matière économique, on a déjà le concept suivant. Dans un monde stable, la formation permettait d'acquérir une qualification. Dans un monde hyper concurrentiel, la qualification ne suffit plus. Il faut faire la différence, être meilleur que les autres. Et pour cela, il fallait développer ses compétences. Aujourd'hui, le changement, c'est devenu la norme. L'avenir est incertain. Tout va de plus en plus vite. L'adaptation devient indispensable. Et les talents pérennes et utiles dans de multiples situations apportent ici une solution. Le talent étant justement cette posture agile, visant à surfer sur le quotidien, sur les problématiques pour agir, concevoir, créer, solutionner. Ce qui est vrai pour l'économie le devient aussi pour la direction des établissements publics. Les entreprises, les administrations, on le voit bien, ce qui nous paraît évident pour le hors norme, l'exceptionnel le devient aussi pour nos gestions courantes. En résumé, il nous faut prendre en compte, développer ces facultés de prise de décision dans l'incertitude, tant sur le plan opérationnel, notamment lors des événements dimensionnants, mais aussi dans notre environnement quotidien. Les décideurs doivent en être convaincus. Aussi, j'aurais, pour passer la main à Christelle, et deux questions fondamentales, enfin, qu'il me semble fondamentales. C'est la première étant, pourquoi notre cerveau n'aime-t-il pas décider dans l'incertitude? Est-ce notre civilisation occidentale, et donc cartésienne, qui implique cela? Est-ce donc culturel ou est-ce physiologique? Et la deuxième question, ces talents dont nous avons évoqué les caractéristiques tout à l'heure, à savoir des gens qui savent s'adapter, inventer, rebondir sur les opportunités,
ont-ils ces qualités de manière innée ou bien peut-on les travailler et comment? Vous comprendrez que derrière, il y a l'aspect de la formation qui est très intéressante, notamment dans nos métiers. Je vous remercie et je laisse la parole à Christelle. Merci beaucoup. Je vais tenter de répondre à ces questions. Je ne suis pas sûre d'y réussir. Attendez, je vais d'abord commencer par partager mon écran. Voilà. Et partir sur le diaporama. Voilà. Donc, quand on m'a demandé d'intervenir sur ce thème, déjà, j'ai pensé commencer par illustrer cette photo magnifique de Gilbert Garcin, qui était un photographe de la région, qui s'appelle « Le choix décisif ». Et vous voyez que c'est assez illustratif de ce dont on va parler. Quand on parle de prise de décision, on parle de faire un choix entre plusieurs options. Et ceci implique donc une évaluation de chaque option. Mettre un équivalent d'une valeur de coût-bénéfice, une valeur subjective qui va être propre à chaque individu, justement, en fonction de son expérience, en fonction de l'état dans lequel il se trouve au moment où il est en situation de prendre une décision majeure. Alors, pour préciser mon propos sur ce que j'entends par valeur subjective, si je vous propose de faire le choix entre une banane ou une pomme, vous pouvez choisir la banane. Donc là, j'en conclurai que votre préférence, c'est que vous préférez les bananes aux pommes. Si maintenant, je vous donne le choix entre avoir une banane dans une heure ou une pomme immédiatement, quel va être votre choix? Il est possible que la préférence initiale que vous aviez pour la banane, d'un seul coup, soit altérée par le fait d'avoir un délai d'une heure. Donc, c'est tout ça qu'on entend par valeur subjective et coût-bénéfice. C'est en fait vraiment toute la combinaison qui va être dans l'association du positif associé à le fruit préféré, mais prendre en compte l'aspect négatif du fait qu'il va falloir l'attendre ou fournir un effort pour l'obtenir, etc. Et donc, on a dans l'étude de la valeur subjective, il va nous permettre de déterminer des traits de personnalité qui vont être en fonction d'une valeur neutre et qui va vous faire donner une valeur exacte à celle que l'élément vaut. Certains individus, au contraire, vont avoir tendance à les surévaluer. Et donc, on se retrouve dans cette courbe-là où la valeur subjective va être supérieure à la valeur moyenne. Et donc, on est dans un profil de traits de personnalité qui sont plutôt des gens qui ont des recherches de sensations fortes. Et puis, on a au contraire des gens qui vont avoir tendance à sous-estimer les valeurs subjectives et à être plutôt risk adverse, on dit en anglais, donc à rejeter, éviter de prendre des risques. Donc, vous voyez que rien que sur cette étape-là, d'attribuer une valeur à une action ou à une récompense, en l'occurrence sur l'exemple que je vous ai montré, on va déjà avoir un élément qui fait que nous ne sommes pas tous égaux, et ça répond déjà à la deuxième question, nous ne sommes pas tous égaux dans notre manière de traiter l'information et donc du coup, de prendre nos décisions par la suite. Donc, les choix, ils dépendent aussi du contexte et ils ne sont pas toujours rationnels. Donc, si par exemple, on fait une expérience où on propose à un sujet, et il a 100 000 euros et on lui propose deux options. L'option 1, on lui dit, vous avez 50% de chance, donc une chance sur deux de gagner 1 000 euros de plus. Ou vous pouvez choisir l'option 2, où là, à tous les coups, on vous donne 500 euros. Alors, qu'est-ce que la plupart des gens font dans ces cas-là? Vous avez 16% seulement de gens qui vont choisir l'option 1 et 83% des gens qui vont choisir d'obtenir immédiatement 500 euros, alors qu'ils peuvent avoir le double dans l'autre option. Si on part d'une expérience où on vous dit vous avez 2000 euros, cette fois on est dans la perte. Donc l'option 1, vous avez une chance sur deux de perdre 1000 euros. Et si vous choisissez l'option 2, on vous prend directement 500 euros.
dans ce contexte-là, alors la probabilité de 50% vous intéresse plus et il y a 69% des sujets qui vont choisir cette option 1 et seulement 31% qui choisissent l'option 2. Donc, vous voyez qu'en fonction du contexte, les sujets n'aiment pas l'incertitude. Quand il s'agit de gains monétaires, donc dans l'option 1, on était dans le positif, dans le gain, mais ils choisissent l'incertitude face à une perte potentielle. Donc, c'est vraiment très important parce qu'on est vraiment dans des processus qui vont tellement dépendre des contextes. Et donc, c'est très difficile de généraliser. Alors, comment on étudie les processus de prise de décision ? Beaucoup de décisions sont faites sur des options sûres. Par exemple, là, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, le choix entre une banane, une pomme, à tel moment de la journée, vous allez plus avoir envie de ça, etc. Bon. Et quand on est dans un contexte d'incertitude, on a un risque qui est souvent matérialisé par des probabilités d'obtention des récompenses ou des punitions. Alors là, je vous plonge directement dans le type de travaux que je conduis dans mon équipe. Et donc là, on est parti de questionnaires chez l'homme que je vous ai montré avant. Et là, on est chez des rats à qui on fait faire une tâche de gambling, donc de pari. Ils sont comme au casino. Et ils ont des decks de cartes. Alors, l'équivalent du deck de cartes, bah, c'est des trous dans lesquels ils peuvent faire des réponses et choisir. Et par exemple, vous voyez ici, dans le trou le plus à gauche, le rat peut, s'il met son museau là, il obtient une seule pellette, une petite boulette de sucrose, dans 90% des cas. Et sinon, dans 10% des cas, il a une punition, une extinction de la lumière pendant 5 secondes. S'il choisit le trou d'à côté, il a 4 pellettes d'un coup, donc c'est 4 fois plus, mais la probabilité est seulement de 40%. Et par contre, il a une punition de 40 secondes dans 60% des cas. Donc, ça peut paraître avantageux si on se cantonne qu'à l'aspect nombre de pellettes obtenues, mais en fait, si vous regardez l'hypothétique nombre maximal de pellettes qu'ils peuvent obtenir pendant une durée donnée de la session, finalement, c'est très faible. C'est la pire des options à choisir. Et donc, je vous passe le détail des autres options, mais tout ça pour vous montrer qu'à force de répétition, et c'est là qu'on est sur vraiment de l'acquisition d'expérience, et à force de répétition et de visite dans les trous pour explorer les différentes options possibles, certains rats, et vous avez l'illustration à droite ici, donc dans les conditions standards, donc quand on les entraîne à faire cette tâche, on a des profils de rats qui se détachent, avec des animaux qui vont avoir un profil plutôt optimal, c'est-à-dire qui vont choisir beaucoup plus souvent les options où ils obtiennent une seule pellette ou deux pellettes, mais finalement qui sont les options, vous les voyez, qui rapportent sur le long terme beaucoup plus de gains. Alors qu'on a des rats qui vont, eux, choisir de prendre beaucoup plus de risques et qui choisissent d'avoir plein de pellettes d'un coup, mais avec beaucoup de punitions. Et donc, ce n'est pas du tout optimal comme stratégie. Alors, de façon intéressante, comme l'a évoqué Olivier dans son introduction, moi, je m'intéresse à des structures intracérébrales profondes dans le cerveau, dont une qu'on appelle le noyau subthalamique, qui est une cible des traitements anti-parkinsoniens actuellement. Et il se trouve que cette région, on a montré, avec d'autres, hein, pas seulement nous, mais qu'elle contribue aussi au processus de prise de décision. Et vous voyez que quand on la stimule, donc là, le ON qui est en dessous du graphe indique qu'on avait implanté des électrodes dans cette région chez nos rats et qu'on a activé cette stimulation à haute fréquence pour mimer une inactivation de cette région cérébrale. Et vous voyez que les rats qui étaient ceux qui prenaient le plus de risques reviennent à des performances plus optimales. En tout cas, ils n'atteignent pas le niveau des rats qui sont au taquet et qui, eux, sont imperturbables. Mais par contre, ceux qui sont assez faibles dans leurs décisions s'améliorent un peu grâce à l'action dans cette région. Alors, tout ça, c'était pour vous montrer un petit exemple de comment on peut appréhender ces mécanismes de décision dans des conditions à risque chez le rongeur.
et qui nous amène aussi à décortiquer les mécanismes cérébraux. Donc moi, mon objectif, on m'a demandé ce soir d'intervenir en tant que neurobiologiste, donc j'ai pour mission de vous parler un peu des régions cérébrales qui sont impliquées dans ces phénomènes. Et donc, le circuit classique dans la prise de décision, il implique certains territoires du cortex préfrontal, donc l'avant du cortex, donc le cortex qui est l'écorce autour du cerveau. Et puis, des structures plus profondes qu'on appelle les ganglions de la base, donc qui sont les régions qui m'intéressent. Et puis, il y a une région particulièrement intéressante, et notamment pour toute la partie qui concernait les aspects personnels évoqués précédemment par Eric Groen, c'est vraiment l'amygdale qui est le siège du véhicule des informations émotionnelles. Alors, tout ça, ce sont des structures cérébrales qui ont été mises en évidence dans les processus de prise de décision par l'utilisation de protocoles comportementaux un peu comparables à ce que je vous ai montré là, la tâche de gambling chez le rat, et en imagerie fonctionnelle ou en enregistrement d'activité chez l'animal. Tout ça, c'est aussi bien sûr sous l'influence de systèmes neuromodulateurs, et notamment j'insiste particulièrement sur le système dopaminergique qui est ici, DA, c'est la dopamine, et qui est lui particulièrement connu pour son implication dans le transfert des informations liées à la valeur des récompenses. Et donc, je vous ai illustré sur la droite le circuit de la récompense. C'est important parce qu'en fait, on a évidemment dans toute la phase que j'ai évoquée d'attribution d'une valeur et d'un coût-bénéfice à chaque action avant de prendre une décision, c'est important que ce système fonctionne de façon optimale. Et donc, du coup, c'est là qu'on arrive à la question de la rationalité, de l'effet physiologique dans nos prises de décision. C'est qu'évidemment, comme le système dopaminergique, il est principalement, de façon primaire, je dirais, il est critique dans sa manière de permettre cette évaluation du coût-bénéfice. Tout déséquilibre de ce système va entraîner des conséquences sur nos capacités à prendre les bonnes décisions. Et je vous donnerai un exemple sur la diapo suivante. Et deuxièmement, pour répondre aussi à l'autre question qui était liée à l'inné et l'acquis, eh bien, comme je viens d'évoquer l'amygdale qui transmet les informations émotionnelles, évidemment, l'état émotionnel du sujet au moment où il va prendre ses décisions va être critique dans sa manière d'évaluer le coût-bénéfice de l'action. Et donc, on va voir aussi que du coup, il peut y avoir des conséquences assez importantes et qui peuvent s'étudier dans certains contextes de recherche. Alors, bon, j'ai oublié d'insister sur le fait que la petite région que j'étudie dans le circuit de la récompense, elle intervient aussi, c'est le noyau subthalamique, il est là. Et il reçoit donc directement aussi ces informations dopaminergiques. Alors, comment on peut étudier la contribution du système dopaminergique le fait que son intégrité soit importante pour pouvoir évaluer correctement le coût-bénéfice d'une action? Je vais vous donner un exemple d'une étude qu'on a faite avec Alexandre Zébio, qui est neurologue spécialiste du Parkinson à l'hôpital de la Timone et qui fait partie de mon équipe de recherche. Et donc, dans une tâche dans laquelle les sujets parkinsoniens devaient réaliser des appuis sur des boutons et appliquer une force plus ou moins forte pour obtenir une récompense plus ou moins grande. Donc là, c'est compliqué pour eux parce qu'un effort physique est difficile pour un patient parkinsonien. Et du coup, si la récompense n'est pas d'envergure suffisante, évidemment, vous vous doutez qu'ils ne vont pas être très motivés pour travailler. Donc, une fois encore, on avait des patients parkinsoniens. Alors, une fois encore, non, parce que là, ce sont des patients parkinsoniens qui sont implantés dans le noyau subthalamique et qu'on stimule à haute fréquence pour améliorer leurs effets moteurs. Et on regarde leur performance et leur taux d'acceptation des conditions de travail en fonction de l'effort. Vous voyez que les patients parkinsoniens, donc les contrôles sont en gris, les performances des sujets contrôles sont en gris. Donc, quand l'effort est petit,
ils acceptent de faire tous les essais, il n'y a pas de problème, quelle que soit la récompense. Et par contre, quand l'effort est grand, ils sont les derniers enfin, ils refusent, évidemment, ça ne vaut plus le coup, mais en tout cas, on voit que dès les efforts les plus faibles, les patients parkinsoniens, donc qui sont ici en Bordeaux-Maronas, là, sont ceux qui ont le plus de mal à accepter de travailler. Et bon, ils ont un décours beaucoup moins pentu, par contre. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai zappé ça. Et ils sont sensibles à la récompense, mais vous voyez que, encore une fois, les patients parkinsoniens sont plus affectés et travaillent moins, même quand la récompense est très importante. Et on peut améliorer ça donc, par la stimulation à haute fréquence du noyau subthalamique. Donc, on a un rôle critique de cette structure et on a également, quand on enregistre son activité, on avait pu montrer qu'on trouvait des enregistrements, enfin des activités qui étaient dépendantes de la valeur subjective attribuée à la combinaison de coût-bénéfice, quel effort je dois faire pour quel type de récompense. Donc, on voit bien que... un système dopaminergique, puisque c'est quand même le problème principal des patients parkinsoniens, c'est que leurs neurones qui contiennent la dopamine dégénèrent et donc meurent, donc ils en ont moins et ils sont affectés dans leur prise de décision. Alors là, je vous ai donné l'exemple d'un système dopaminergique défaillant. On pourrait être dans un système où le système dopaminergique est boosté si on prend des drogues psychostimulantes comme des amphétamines ou de la cocaïne, on va être à l'inverse, on booste l'activité du système dopaminergique, on crée un déséquilibre d'une autre manière. Donc, et en général, ça se traduit par une tendance à prendre beaucoup plus de risques et donc à aller vers des prises de décision plutôt risquées que conservatrices. Alors, notre type, on a utilisé la même tâche exactement chez le singe avec Sabrina Ravel et Simon Nougaret. Ça faisait partie de son travail de thèse, hein, Simon. On a conditionné des singes à travailler de la même manière. On leur présentait un stimulus à double composante qui lui indiquait quelle taille de récompense il allait obtenir, juste une goutte de jus de pomme ou quatre gouttes, et quelle était la force qu'il allait falloir appliquer sur le petit bouton qu'il avait dans la main. Donc, s'il devait fournir une grosse force pour une petite récompense, vous voyez, bah, il fait la tronche parce que ce n'est vraiment pas la condition la plus favorable. Au contraire, appliquer une petite force pour une grande récompense, c'est la condition préférée a priori. Et donc avec des conditions intermédiaires ici. Et vous voyez qu'on a pu enregistrer dans le noyau subthalamique de ces singes qui font ces tâches, on a pu enregistrer des neurones qui sont sensibles et qui vont coder exactement l'intégration de ces deux types d'informations. Et donc, on voit qu'on a ici l'exemple d'un neurone. Donc, tous les petits points, c'est son activité. Et aligné sur le zéro, c'est le moment où on lui présente le stimulus qui lui indique quel effort il faut qu'il fasse et quelle récompense il aura s'il va jusqu'au bout de l'essai. Et vous voyez que quand il est dans la condition la plus défavorable, avec une grande force pour une petite récompense, ce neurone-là répond très peu. Et il a une réponse qui progresse linéairement, je dirais, en fonction du niveau de préférence de la condition pour l'animal, c'est-à-dire la plus grande récompense pour la petite force. Donc, on a vraiment, c'est comme ça qu'on peut étudier et décortiquer les réseaux liés à la prise de décision dans le cerveau. C'est en réalisant des tâches comme ça chez l'animal ou chez l'homme, hein, bon, avec pas forcément des enregistrements comme ça, évidemment, vous en doutez, mais avec des approches possibles d'imagerie aussi pour mettre en évidence les circuits. Maintenant, j'évoquais aussi le fait qu'en fonction d'un état émotionnel, on ne va pas avoir la même sensibilité dans notre manière d'évaluer le coût-bénéfice d'une action. Et on avait fait notamment une étude en collaboration avec Stéphanie Kalfa, qui est spécialisée dans l'étude du syndrome de stress post-traumatique, donc ce qu'on appelle PTSD en anglais.
Et donc, on avait fait une étude sur la capacité à faire une tâche en modulant la motivation des sujets. Et on leur présentait un stimulus qui leur annonçait à l'avance s'ils étaient dans un contexte de perte possible monétaire ou au contraire si, pendant cet essai-là, ils allaient pouvoir éventuellement gagner de l'argent. Et en fait, on a observé que, et on comparait donc des patients qui souffraient d'un stress post-traumatique après des expositions à différents stress, donc ça va bien concerner nos partenaires de ce soir, et ils étaient comparés à des sujets qui avaient été soumis à des mêmes stress, mais qui n'avaient pas les symptômes d'un stress post-traumatique, puisqu'évidemment, heureusement, ça existe. Donc, il y a des individus qui arrivent à gérer les expositions au stress et d'autres qui ont des épisodes de syndrome de stress post-traumatique. Et donc, on voit chez ces sujets-là une réactivité exacerbée ici au niveau du noyau caudé, donc on est dans les ganglions de la base, au niveau du striatum dorsal, une réaction exacerbée à l'évitement d'une perte monétaire. Et en fait, on a vu que quand on annonce une perte monétaire à anticiper, les sujets qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique sont plus lents que les sujets contrôles à répondre. Et donc, il a été d'ailleurs montré que quand on est dans un contexte négatif, donc les patients qui souffrent de PTSD ont un biais attentionnel vers des stimuli traumatisants. Donc, c'est ça qui les ralentit dans la performance et qu'ils ont tendance à mettre beaucoup plus l'accent et prêter beaucoup plus attention à tout ce qui est contexte négatif et traumatisant plutôt qu'à focaliser sur le positif. Donc, vous voyez par cet exemple-là, qu'on répond déjà à la question de savoir si on va être évidemment égaux face au processus de prise de décision dans des contextes d'incertitude. Il est évident que quelqu'un qui va avoir une nature à privilégier tout ce qui est négatif ne va pas forcément avoir la même façon d'adapter ses réponses à quelqu'un qui, au contraire, aurait un profil de plutôt sensation seeker et à prendre des risques comme les joueurs pathologiques ou les banquiers, traders, etc. Donc, on a vraiment des profils qui peuvent vraiment affecter sérieusement la prise de décision et ça a un substrat neurobiologique, tout ça. Donc, le cerveau peut gérer des événements rares mais prévisibles. Ça, on sait faire par les apprentissages. Hein, on a évoqué ça dans la première partie de soirée. Un bon entraînement permet de gérer des événements qu'on peut apprendre. Oui, c'est rare, effectivement, d'avoir une crue, bien que ça va l'être de moins en moins avec le réchauffement climatique. Mais donc, du coup, on peut prédire à peu près les probabilités et se préparer. Et il y a des événements dont la probabilité est vraiment difficilement évaluable. Par exemple, l'exemple de Fukushima, 11 mars 2011, la probabilité d'avoir un tremblement de terre et un accident nucléaire, c'est complètement... la probabilité est tellement faible que, évidemment, un accident nucléaire, on sait que ça peut arriver. Si on calcule en termes de probabilité, c'est tellement faible qu'évidemment, on ne va pas en permanence prendre nos décisions avec ça intégré. Les neuroéconomistes disent d'ailleurs qu'il y a... il est quasiment impossible de considérer, de prendre en compte une probabilité qui est inférieure à 10%. Mais malgré tout, on sait bien que dans les décisions publiques qui sont prises, il y a bien forcément la prise en compte de ces risques-là qui sont extrêmes et intenses. Donc, comment on fait pour gérer ça et pour étudier ça ? Alors, c'est ce que nous, on s'est proposé comme challenge à faire avec une équipe d'économistes de l'AMC, Patrick Pintus et Stéphane Lucchini. Et donc, on a essayé de modéliser une tâche chez le rat. Donc, je terminerai en vous racontant cette tâche. On a fait une tâche chez le rat qui va exposer ces animaux à des risques extrêmes et rares. Alors, risque positif, c'est le gain, c'est des pellettes de sucre, hein, des petites boulettes là, qu'ils peuvent récupérer. Et il y a un jackpot. Mais le jackpot va apparaître avec une probabilité qui est inférieure à 1%.
Donc, c'est quasiment jamais. Il y a des sessions où ils vont jamais l'avoir. Et le risque de perte, évidemment, les rats, on ne peut pas leur enlever des sous ou leur enlever des pellettes parce qu'une fois qu'ils les ont récupérés, on ne peut pas leur enlever. Et donc, du coup, on leur donne des délais d'attente avant de pouvoir rejouer. Et ça, ils détestent ça. Ils détestent attendre. Donc, en fait, vous voyez ici que la valeur maximale, donc le jackpot, c'est 80 petites pellettes de sucrose qu'ils peuvent obtenir. Et la perte maximale, c'est un délai de 240 secondes, ce qui est vraiment énorme pour un rat, avec donc une probabilité epsilon inférieure à 1%. Et en fait, on va proposer au rat 4 menus différents et on part sur le fait que, voilà, il va choisir, il va explorer et à force d'explorer, il va faire son choix. Et donc, s'il choisit ce trou-là, hop, il peut aller à la mangeoire et voir ce qu'il a gagné. Alors, dans le menu 1, par exemple, on va être dans la condition qui est considérée par les théoriciens neuroéconomistes comme antifragile et comme ce qui devrait être la réponse adaptée à un contexte d'exposition à risque intense et rare, c'est-à-dire qu'on est dans une exposition au gain qui est convexe, c'est-à-dire qu'on a une pellette, 3 pellettes, 12 pellettes possibles ou 80. Donc, vous voyez qu'on augmente en nombre de pellettes possibles à obtenir en fonction de l'essai. On augmente en exponentiel. Donc, on est convexe sur la courbe. Par contre, évidemment, les probabilités ne sont pas les mêmes pour le nombre de pellettes. Donc, quand on est dans le cas de une pellette, c'est dans un quart des essais. 3 pellettes, un quart, mais on tombe à 5% pour 12 pellettes et évidemment au epsilon pour les 80 pellettes. Et le menu antifragile, il va dire je veux le jackpot, mais je ne veux surtout pas avoir de grosses punitions. Donc je minimise le risque négatif. Donc on est en convexité aussi pour les pertes. C'est-à-dire que là, on a un délai de 6 secondes, de 12 secondes et on plafonne à 15 secondes pour les conditions les plus rares. Donc, on est en convexité aussi pour le négatif. Je vous mettrai un graphe récapitulatif sur la diapo suivante. Le menu 2, c'est le menu pour un profil plutôt conservateur où il ne va pas chercher le jackpot, mais il va avoir plutôt toujours plusieurs petites pellettes qui vont tomber, donc 2 pellettes dans un quart des cas, 4 pellettes dans un quart des cas, 5 pellettes dans 5% des essais et 5 pellettes pour le epsilon. Et les pertes sont aussi minimisées. Donc, on évite tout, en fait. On ne prend pas de risque. Donc, c'est vraiment le menu le plus conservateur. Et puis, le menu 3, qui est le menu vulnérable, on recherche le jackpot, mais par contre, on va s'exposer au risque et donc choisir le menu qui fait être puni que 6 secondes dans 25% des cas, 9 secondes dans 25% des cas aussi, mais 36 secondes dans 5% des cas et 240 secondes lorsqu'on tombe sur le Black Swan. Et le menu fragile, c'est en fait, c'est vraiment avoir tout faux, c'est avoir la punition extrême et jamais le gain intéressant, donc minimisé. Alors, pour construire tout ça, évidemment, c'est tous des algorithmes qui sont faits par les économistes avec lesquels on travaille. Et l'hypothèse, c'était qu'on supposait qu'un profil adapté serait donc un profil antifragile. Est-ce que des rats sont capables de comprendre déjà par les expositions répétées tous ces différents menus à force de visiter les trous? Donc, je vous résume les profils. Vous voyez que ce qu'on disait d'antifragile quand je vous parlais de convexité, là, c'est le nombre de pellettes qui peuvent être obtenues. Donc, vous voyez bien l'exponentiel quand on recherche le jackpot. Et puis, au niveau du négatif, donc dans les délais, les punitions, on minimise et on reste dans le concave. Par contre, celui qui a tout faux, c'est celui qui s'expose donc à la perte maximale et sans avoir jamais de gain très intéressant.
le conservateur qui limite et les gains et les pertes, et puis la recherche du jackpot tout en s'exposant au Black Swan, c'est le profil le plus vulnérable. Donc, qu'est-ce qu'ils font nos rats quand on les entraîne là-dedans? Alors, on a fait travailler 20 rats dans la première étude, et donc je vous ai monté une petite vidéo où on voit un rat qui était antifragile. Donc, hop, pardon. Ah, je ne sais pas si la vidéo va marcher. Alors, du coup, oui, voilà. Donc, le rat qui est dans sa cage, la session s'allume. Donc, ça indique que c'est parti. Et là, il peut choisir. Et donc, il a choisi Convex Loss. Donc là, il ne pouvait pas rejouer pendant un moment. Donc, fin de la punition, la lumière s'allume. Il peut rejouer. Comme il n'a pas aimé l'essai suivant, là, il va dans un convex gain et il a des pellettes. Et puis, après 5 minutes, là, c'est un essai où il a obtenu ses 60 pellettes. Il a eu le jackpot. C'était 60 à l'époque, c'était les essais préliminaires de la tâche. Ce n'est pas 80 comme ce que je vous ai présenté. Alors après, je ne sais plus si on vous le montre dans la vidéo, dans la frustration, non, d'attendre la fin du délai, le pire. Mais bon, c'est assez terrible pour eux. Enfin, tout ça pour vous montrer que ça, c'est la synthèse des résultats individuels. Donc, c'est la moyenne des 41 sessions pour chacun des rats. Et vous voyez, on les a distribués sur les profils. Et vous voyez que l'hypothèse qu'on avait au départ de dire qu'ils allaient être principalement antifragiles, c'est plutôt pas mal, mais il y a quand même une grande variabilité interindividuelle. Et ce sont des animaux chez lesquels nous n'avons encore rien manipulé dans le cerveau. Donc, juste des animaux intacts. Vous voyez que sur 20 individus, on a quand même une variabilité dans les profils. Mais on peut tirer quand même une première grande conclusion, c'est que la majorité des individus est sensible aux événements rares et extrêmes, puisqu'ils évitent les événements, ils cherchent plutôt les événements extrêmes positifs, et ils évitent surtout les événements négatifs. Et si on regarde ici, on a quand même une grande majorité qui se situe par là, ce qui veut dire que c'est chaque fois les deux profils qui sont dans l'évitement du Black Swan, donc de la punition la plus terrible. Et donc, en fait, on voit bien que ce qui va prédominer, c'est quand même d'abord l'aspect aversif des événements négatifs plutôt que la sensibilité à des événements extrêmement positifs et rares. Donc, je conclue, je ne sais pas où j'en suis dans le timing. Bon, je voulais pas faire une revue exhaustive de la littérature sur la prise de décision, mais vous montrer un peu les cheminements qu'il y a, qui se font dans ces recherches-là. Donc, en tout cas, pour répondre aux questions, nous ne sommes pas tous égaux face à l'incertitude et la prise de décision. Je pense que là, vous en avez eu des exemples. Le concept d'antifragilité, la recherche du jackpot et l'évitement du Black Swan est vérifié chez le rat. Même si ce n'est pas tous, en tout cas, la plupart des rats sont sensibles aux événements extrêmes et rares. Alors, évidemment, on a vu que les événements négatifs sont plus influents sur les choix. Alors, l'étude, évidemment, suivante pour nous, neurobiologistes, c'est d'étudier le substrat neurobiologique à la base de ces choix et de ces différents phénotypes de réponses qu'on a chez les différents individus. Est-ce que ça va activer des circuits qu'on n'a jusqu'à présent pas vus en travaillant dans les conditions où on est la plupart du temps dans des probabilités contrôlées? Et puis, évidemment, puisque c'est quand même ce qui nous soucie dans le sujet de départ de la discussion de ce soir, c'est évidemment de faire des études similaires chez des sujets humains, sains d'abord, et ensuite pathologiques chez des patients parkinsoniens, chez des usagers de drogue, chez des traders, pourquoi pas chez des pompiers qui ont l'habitude de prendre des décisions dans des contextes très difficiles comme on l'a vu ce soir. Est-ce qu'on va retrouver, et du coup, est-ce qu'on peut prédire
qui seraient les bons décideurs en fonction de leur profil. Voilà, tout ça reste ouvert, mais j'espère avoir apporté quelques pistes de réflexion et nous attendons vos questions. Merci de votre attention. Merci, Madame Bonnès, pour cette présentation, cette vulgarisation, et merci, Colonel, également. Alors, il y a un certain nombre de questions qui, je pense, concernent le métier de sapeur-pompier, me semble-t-il, au début, les premières qui ont été posées. Vous les avez relevées? Oui, alors... Je vais essayer d'afficher à nouveau l'onglet discussion de façon lisible. Voilà. Donc, une des premières questions qui a été posée par Lucie, qui vous demande, mon colonel, selon votre expérience, quelles sont les clés nécessaires pour avoir des agents agiles ou avec une intelligence adaptative, avec... une question du coup complémentaire qui est liée au fait que les services d'incendie et de secours sont des systèmes hiérarchisés. Donc Lucie qualifie de système pyramidal patriarcal. Sont-ils vraiment des modèles? Si, excellente question, y compris sur le pyramidal, la structure pyramidale des SDIS, même si on peut le voir, une structure pyramidale n'est pas forcément une structure qui empêche les décisions, mais qui peuvent le faire dans certains cas quand même. Alors, pour répondre à cette question, d'abord, moi, la première chose, vous l'avez compris dans ce qu'on a expliqué, c'est que pendant des années, on a appris à ne pas être surpris, c'est-à-dire qu'on a fait des plans, on a fait des tas de choses, et le but, c'est que tout soit sous contrôle et qu'on n'arrive pas justement à l'incertitude. Or, aujourd'hui, vous l'avez vu, on est convaincu qu'il faut apprendre à être surpris. Donc, par rapport à nos personnes agiles, à ces personnes que l'on a notamment dans les emplois supérieurs de direction aujourd'hui, les futurs colonels, enfin les futurs directeurs adjoints, et où on essaye d'aspirer des gens, c'est à mon avis une des idées à prendre en compte, c'est des gens qui sont capables de s'adapter à des situations. Et donc, il faut qu'on arrive à les apprendre à être surpris. C'est-à-dire que la surprise fait partie de notre métier et ils ne doivent pas être devant ces opérations ou devant les problèmes qui se posent. Ils ne doivent pas être pétrifiés, j'allais dire. Ils doivent apprendre à être surpris. Pour cela, nous avons, nous, mis en place pour le haut niveau des commandements feux de forêt un simulateur, comme dans les avions. Des simulateurs qui reprennent, et j'ai vu une question tout à l'heure, je ne sais pas si je vous coupe l'herbe sous le pied, mais je l'ai vu sur le chat, c'est l'histoire des jeux vidéo. Ben oui, tout à fait, c'est basé sur des jeux vidéo, mais c'est basé sur du feu de forêt. Et on retranscrit dans ce simulateur un gros feu de forêt, et chacun a sa position, et puis on met en plus des inputs qui sont pas des inputs qu'on trouve tous les jours. Je me rappelle, il y a 10-15 ans, j'ai vu... Pierre Chalère, un collègue qui est dans le chat, il pourrait vous le raconter aussi. On a fait tomber des avions parce qu'on se dit, tiens, on fait tomber des avions pour donner des inputs un peu plus, des canadaires, etc., alors que ça n'arrivait quasiment pas. Et puis après, on s'est retrouvé, je me suis moi-même retrouvé sur un feu que je commandais avec un avion qui est tombé. Et donc, on doit dérouler la musique parce que justement, on n'est pas surpris parce qu'on a déjà vécu cette situation et puis de toute façon, on a appris à l'être. Donc, les simulateurs sont, à mon avis, extrêmement important dans ce domaine-là. Quant aux structures pyramidales, que je rejoins ce qui a été dit, hein. Néanmoins, nous, dans le système opérationnel, on est beaucoup moins pyramidal puisqu'on a deux, trois échelons de commandement qui prennent le pas, mais on a deux, trois échelons de commandement. Et sur notre système organisationnel, je rejoins, et effectivement, on travaille maintenant beaucoup en réseau, beaucoup en mode projet, ce qui fait qu'on a un peu plus d'agilité par rapport à nos systèmes. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Je suis à disposition s'il y en a d'autres sur le même sujet. Si vous le souhaitez, je peux enchaîner également avec une question au colonel Groin. En fait, je vais associer deux questions, celle posée par le lieutenant-colonel Antoine Isaac et celle posée par Emma.
Comment prendre une décision face à une situation d'urgence, lors d'une catastrophe ou encore d'une crise, lorsque l'incertitude et l'inconnu sont telles qu'on ne peut évaluer les coûts-bénéfices risques au temps zéro, le tout aggravé par un facteur stress du décideur qui est lié à la gravité et l'ampleur de l'événement. Et donc cette question bon, prend en compte de nombreux aspects. Je l'associerai peut-être à un volet que nous n'avons pas encore beaucoup développé, qui est la question de l'a priori. Comment savoir si la décision prise était la meilleure et ce qui met en jeu le retour d'expérience. Je répondrai, y a-t-il une meilleure solution? Quand on est dans un système, dans des opérations complexes, quand on est dans des opérations à haute incertitude, y a-t-il une solution qui aurait été meilleure que l'autre? C'est toujours compliqué puisque quand on va choisir une solution, on n'aura pas choisi l'autre et donc on ne saura pas si l'autre aura été meilleure que celle qu'on a choisie. Donc c'est toujours très compliqué de faire du retour d'expérience là-dessus. En tout état de cause, il me semble, et je reprendrai mienne une maxime de l'amiral Nimitz qui disait « on ne peut vaincre sans risquer, mais à trop risquer, on peut tout perdre ». Je crois qu'il y a beaucoup de choses là-dessus qui viennent dire, c'est-à-dire que la victoire, elle ne peut pas être sans prendre des risques. Je l'ai dit tout à l'heure, la prise de risque, elle est normale, elle doit se faire, autrement, si on ne prend pas le risque, on loupe un certain nombre on loupe le train qui pourrait nous amener à la victoire. Donc, il est très important de risquer. Mais aussi, être risqué, on peut tout perdre, c'est ce qu'il dit. Ça renvoie à la question de risque raisonnable. Et le risque raisonnable, c'est un petit peu le fait de se dire, quand on veut prendre une décision, quelles sont les chances de succès de cette décision, premier point. Deuxième point, quelles sont les conséquences de l'échec de cette décision? Si on échoue, qu'est-ce qui se passe derrière? Et troisièmement, le problème de ressources. Parce que prendre une décision sans ressources derrière, bien évidemment, on ne va pas bien loin. Donc ces trois points, chances de succès, conséquences de l'échec et ressources, me semblent indispensables au moment de prendre une décision. En sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème de la rationalité limitée, dont je parlais tout à l'heure, on ne peut pas prévoir les conséquences de toutes nos décisions. Et encore une fois, il n'y a pas la bonne décision. Il y a un événement qui est dans une atmosphère inconnue, qui est très largement impacté par un déferlement de problématiques. Il faut agir en tout cas. Il faut agir et prendre des décisions qui sont des décisions dans le risque raisonnable. Voilà. Mais il faut les deux. Et le si risque. Je peux permettre une question dans la foulée. Du coup, vous, dans vos recrutements, si vous aviez la possibilité de détecter déjà des profils de prise de risque chez vos personnels, vous auriez tendance à privilégier le profil de quelqu'un qui aurait tendance à être plutôt conservateur et à éviter trop d'expositions risquées, ou quelqu'un qui, au contraire, va avoir un profil un peu plus recherche de sensations? Un mixte entre les deux. Un mixte entre les deux. Parce que le joueur dont vous avez parlé tout à l'heure, ouais, le joueur en tous les deux, le joueur, c'est dangereux parce que derrière tout ça, il y a quand même la sécurité, il y a quand même un certain nombre de choses qui se mettent en place. Et de l'autre côté, on l'a dit, si on est trop frileux et si on n'avance pas, on n'arriverait pas à trouver les solutions. Donc, je ne plaisante pas en disant quelqu'un qui est capable de tenter des choses, mais qui a appliqué ces concepts de risque raisonnable avant, en se disant, j'y vais pas, puis on verra ce qui se passe. Non, c'est un peu le pilote d'avion. Hein. Le pilote d'avion, quand tu as un certain nombre de choses, il a un certain nombre de problématiques, ou une problématique particulière, il faut qu'il prenne des décisions rapidement, et elles sont quand même contrôlées. On n'est pas là pour tester des tas de choses. Donc moi, je pense que c'est à peu près ça. Mais vous savez, ce que vous venez de dire, c'est exactement le problème aujourd'hui que l'on a, c'est-à-dire quels sont les profils qu'on doit avoir pour les années futures. Dans un moment où, vous l'avez compris tous, on le voit avec la crise sanitaire aujourd'hui d'ailleurs, on est dans l'inconnu, on est dans ce qu'on ne pensait pas qui pouvait arriver. Vous avez tout à l'heure parlé de l'accident nucléaire, mais il y en a plein d'autres où jamais on n'aurait pu concevoir ça si on avait fait un scénario. D'ailleurs, nos scénarios sont toujours, ils sont toujours plus bas que la réalité de ce qu'on peut avoir. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut dire, apprendre à être surpris, il faut apprendre cette surprise et que nous ayons des profils qui soient
qui puisse, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, s'adapter aux événements et non pas être pétrifié par les événements. Et c'est en ce sens que c'était très intéressant ce que vous disiez, parce que si nous, on arrivait à avoir une solution pour que ça s'apprenne, pour qu'on puisse, mais vous avez quand même donné une piste, c'est que les gens doivent être quand même dans un moment psychologique plutôt bon et pas dans des moments psychologiques perturbés professionnellement, familialement, etc., pour prendre ce genre de décision. Ça, c'est quand même assez important. Et c'est la question, on a un gros feu de forêt, on sait que quelqu'un est en plein divorce, etc. Est-ce que c'est le moment d'envoyer cette personne-là? Voilà, c'est ça qui me fait quand même dire que, en fait, plus que l'inné ou pas l'inné, c'est comment psychologiquement la personne se trouve au moment où, et nous, directeurs, c'est peut-être aussi le prendre en compte à un moment donné. Voilà, c'était très intéressant là-dessus. Il y avait une question sur une éventuelle différence entre hommes-femmes pour les prises de décision. Je ne sais pas s'il y a un contexte neurobiologique là-dessus, Christelle, ou bien… Alors, franchement, je dois avouer que je suis totalement ignorante sur la question. On a une fâcheuse tendance, quand on travaille chez l'animal, pour l'instant, à ne travailler, en tout cas chez le rat, pour l'instant, nos travaux ne portent que chez le mâle, ce qui est une erreur et une injustice absolue. Et donc, actuellement, on a des pressions par tous les organismes de financement de la recherche pour faire systématiquement les études chez le mâle et la femelle. Donc, ça sera corrigé. Mais pour l'instant, je ne peux pas trop vous dire parce que je n'ai pas vraiment fait la littérature là-dessus. Et chez l'homme, en général, bon, les études sont plutôt assez balancées. Et je n'ai pas en tête quelque chose de particulièrement évident sur les différences de genre. Mais bon, je peux être à côté de la plaque. Hein. Je ne sais pas si dans l'opérationnel, vous avez une expérience. Vous allez me lancer sur un terrain fragile. Donc je plaisante. Non, nous on a bien évidemment des collègues féminines et il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Je ne vois pas de différence entre hommes et femmes sur ce point de vue-là. En même temps, nous ne sommes pas forcément des bons élèves puisque nous avons au prorata pas beaucoup de femmes puisque sur 100 directeurs en France, il y a une directrice. Et une seule. Donc, vous voyez qu'on n'a vraiment pas les bons exemples et pour faire des études, on n'est pas les mieux placés. Mais en tout cas, dans les opérations quotidiennes, on a bien évidemment des officiers féminins qui tiennent tout leur rôle et qui ont plutôt, d'ailleurs, je trouve, un calme sur intervention qui est remarquable. Il y a un autre aspect intéressant là, qui a été soulevé, c'est la part de l'intuition, ce qu'on appelle l'intuition finalement dans les prises de décision rapides. Alors, est-ce que c'est défini ça sur le plan scientifique, comportemental? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut évaluer? C'est compliqué, hein, parce que c'est un peu pour ceux qui connaissent un peu toute la formalisation qu'il y a autour de la prise de décision, c'est le modèle Bayes versus modèle Free. Et donc, modèle B, c'est qu'on fonctionne sur justement les acquis d'apprentissage, de règles, de il y a tel contexte, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Et puis après, il y a la partie modèle free qui justement fonctionne par l'exploration et l'expérience finalement. Et donc, c'est ce qu'on pourrait peut-être rapprocher de ce qu'on appellerait l'intuition. Qui est quand même basé sur de l'expérience. Intuition, moi, j'aurais tendance à imaginer que c'est tout de suite, même si on n'a aucune expérience de quoi que ce soit, hop, est-ce qu'on a le flair pour aller choisir telle option plutôt qu'une autre? Je ne sais pas ça si c'est très fiable. Oui. Par contre, oui, dans la prise de décision, par les répétitions, d'exposition, et c'est ce qu'on fait nous dans la tâche finalement que je vous ai décrite à la fin là sur le risque extrême et intense et rare, c'est vraiment par, on a fait le choix que ce soit pas vraiment un apprentissage mais une exposition répétée qui guide les choix. Donc c'est peut-être ça qu'on pourrait rapprocher de l'intuition. Oui, on dit que l'intuition est une qualité plutôt féminine. Enfin, je ne voudrais pas rebondir sur la question tout à l'heure. Mais bon. Dans les clichés, alors. En tout cas, si vous permettez, moi, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. L'intuition, il y a certaines personnes, évidemment, qui, à mon avis, sont plus intuitives que d'autres, c'est évident. Mais
L'expérience, à mon avis, quelle est la part de l'expérience là-dedans? Et elle est, à mon avis, importante. Je vous donne juste un petit exemple. Quand nous avons les inondations de 2010, inondations qui n'étaient pas prévues sur Draguignan, qui ont fait 25 personnes décédées à la fin, il était en train de se passer un phénomène qui était un phénomène sur lequel personne ne se rendait compte. Et en fait, les officiers de sapeurs-pompiers dont j'étais, mais il n'y avait pas que moi, il y en avait un certain nombre, qui avaient quand même une expérience de Vaison-la-Romaine, de Nîmes, d'autres expériences d'inondations. On a retrouvé des critères là-dedans, des personnes sur les toits, des véhicules en train de se déplacer, les premiers morts qui arrivent. On a retrouvé cette sensation qu'on avait eue dans d'autres catastrophes, ce qui nous a fait dire, avant qu'on ait des renseignements, parce qu'on avait très peu de renseignements, ce qui nous a fait dire aux autorités préfectorales, attention, on est sur une affaire dimensionnante, type, je me rappelle ce jour-là avoir dit au préfet, monsieur le préfet, puisqu'il venait du Vaucluse, nous sommes sur une affaire comme Vaison-la-Romaine, ce qui lui a tout de suite fait tilt. Et comment nous en sommes arrivés là, mes collègues et moi-même, je ne l'ai jamais compris, parce que alors qu'on n'avait pas toute la dimension de l'opération, mais simplement une addition de signes, et peut-être aussi une expérience de tout le groupe, des officiers qui étaient avec moi, pour se dire on est dans quelque chose qui n'est pas normal, c'est pas comme d'habitude, c'est au-delà. Voilà. Et donc, ça conditionne bien évidemment, vous l'avez compris, tous les renforts derrière et toutes les mesures, puisqu'on n'est plus là dans le déroulement du plan, on le respecte, on est là dans l'improvisation, entre guillemets, c'est-à-dire l'invention d'un certain nombre de choses, d'ailleurs sur cette opération qui a été largement ponctuée de choses originales, parce que les boutons sur lesquels on appuyait ne fonctionnaient plus, et donc on était bien obligé d'inventer d'autres choses, et c'est ça le pilotage de crise. Je profite de ce thème de l'expérience pour évoquer un sujet que l'on entend dans la communauté sapeurs-pompiers sur une remarque qui est après 30 années de pompiers, on s'adapte avec l'expérience, et que je peux relier à une question. Ne pensez-vous pas que l'essentiel soit de mixer les profils dans un objectif de variété requise pour appréhender la complexité? Et c'est également un thème qu'on peut relier au biais cognitif et aux représentations sociales dans la prise de décision. Moi, en tout cas, je n'ai jamais dit que l'expérience suffisait à tout. La preuve, c'est qu'on cherche des profils qui, notamment dans nos emplois supérieurs de direction, des profils de jeunes officiers qui ont des capacités à justement pouvoir absorber un certain nombre de choses, notamment sur la complexité, etc. Donc, ce n'est pas l'expérience. Je répondais simplement à l'intuition. L'intuition me semblait avoir une notion d'expérience, mais il n'y a pas que l'intuition qui est nécessaire dans la prise de décision, dans l'incertitude ou dans ce genre de choses. Donc, bien évidemment, la variété requise, elle est extrêmement importante, avoir des gens de différents profils. D'ailleurs, on l'utilise beaucoup, hein. Vous savez qu'on utilise de plus en plus dans nos systèmes la fiabilité des organisations, le système HRO qui a été largement connu, nous l'utilisons dans les feux de forêt, nous l'utilisons aussi dans un certain nombre de nos opérations aujourd'hui, et on est bien sur la variété requise là-dedans, et puis on est bien aussi sur des profils qui peuvent nous apporter, vous savez, on cherche, alors bon, je suis toujours avec ce terme-là, je suis toujours un peu, mais on cherche les hauts potentiels. Les hauts potentiels, c'est forcément des... Il n'y a pas l'expérience dans les hauts potentiels. Dans les hauts potentiels, c'est plutôt de la jeunesse et plutôt des capacités intellectuelles. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait que des capacités intellectuelles. Je suis sûr qu'il faut aussi ces capacités à s'adapter par rapport aux événements, à surfer sur les événements qui existent. Et ça, tant au niveau opérationnel, ça on le savait, mais aussi dans les SDIS. Moi, je le vois aujourd'hui, vous programmez une journée, vous n'arrivez jamais à ce que vous avez programmé dans la journée, ça, il faut arrêter de le penser. Et donc, il faut s'adapter, et il faut profiter des situations et savoir sur quelle situation on peut profiter pour rebondir. C'est, à mon avis, ce type de personnes qu'il faut qu'on acquiert dans nos équipes. Après, c'est bien aussi d'avoir d'autres personnes qui sont peut-être moins innées, moins partante là-dedans, mais qui ont aussi une rigueur absolue sur un certain nombre de choses. Et je pense que vous avez raison, c'est la variété de tout ça qui fait une organisation résiliente, parce que c'est bien ça la problématique. Je vous propose de tester vos élèves dans la tâche qu'on a adaptée à l'homme, et ça serait vraiment intéressant de voir si on peut faire émerger des profils comme ça de prise de décision. Je parle l'ENSOS, il faut voir avec l'ENSOS, mais je pense que ce serait très intéressant pour nous aussi.
parce qu'on cherche justement ces profils, et comme on le disait tout à l'heure, pas que ces profils, il faut de la variété requise, bien évidemment, mais ceux-là sont recherchés. Donc, est-ce qu'ils existent? Ça mérite en tout cas d'en discuter, à mon avis, avec les labos de l'ENSA, ça c'est certain. Oui, je peux déjà noter ce point-là et effectivement en faire part à la directrice du département recherche. Et je peux, sans bien évidemment prendre de risque d'engager l'école, dire que c'est un thème de recherche très intéressant. Et j'évoquais tout à l'heure le centre de recherche, et nous finançons des thèses et des bourses doctorales, et nous sommes déjà à la deuxième bourse doctorale en psychosocial et sur la prise de décision. Très intéressant, je note. Oui. Il y a des questions qui s'adressent à Christelle Bonnez concernant le stress, notamment. Est-ce que le stress extrême influence la prise de décision? Évidemment. Hein. Alors là, en théorie, bien évidemment, puisque toutes les réponses liées à un stress les réponses physiologiques à un stress vont déséquilibrer le système dopaminergique en bout de chaîne. Hein. Il y a toute une cascade d'événements, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc déjà, physiologiquement, il y a une évidence que ça ne va que forcément affecter la prise de décision. En plus, un individu stressé est dans un contexte émotionnel particulier, donc j'ai mis en exergue le rôle de l'amygdale dans ce circuit de prise de décision. Donc évidemment, ça va avoir un déséquilibre dans tout ça. Après, dans la pratique, j'imagine bien que le colonel peut vous donner plein d'exemples de situations qui font que il y a déjà des gens qui, en réponse à un stress intense, sont en freezing, donc avec une incapacité de prise de décision totale, puisqu'ils peuvent plus bouger, ils peuvent plus rien faire. Donc ça, c'est l'exemple majeur qu'on a tous en tête, parce qu'on a tous vécu ou été témoins d'événements où, à un moment, il y a des gens qui ont cette réaction-là à un stress extrême. Et donc, oui, bien sûr que ça va forcément tétaniser certains individus plus que d'autres. Et c'est là encore probablement une combinaison d'expériences qui fait que vous, dans vos métiers, vous apprenez à gérer ces situations-là, et qui, de fait, qui pourrait être pour nous un stress intense, va devenir un stress plus gérable pour des gens qui en ont pris l'habitude. Et puis, évidemment, quand on n'est pas tous égaux par rapport à ces réponses-là, encore une fois, certains individus exposés à un stress intense peuvent avoir des épisodes de syndrome de stress post-traumatique. Et du coup, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur le long terme, avec des incidences sur les prises de décision qui peuvent durer sur des épisodes de plusieurs années. Oui. Ça, c'est tout à fait vrai, et ça va plus loin. Non seulement nous, on essaie d'apprendre effectivement à gérer le stress, mais on apprend aussi quand on est commandant des opérations de secours à observer, et il faut surtout le faire, à observer nos équipes et à déceler tout de suite quelqu'un qui serait en stress. Qui pourrait devenir, vous l'avez vu tout à l'heure, avec les mécanismes qui se passent, c'est-à-dire ça commence toujours par des facteurs humains, par les individus, et ensuite c'est le groupe qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus, parce que le stress est trop important pour certains individus. Ils sont renvoyés à leur histoire, à leur peur, etc. Je vous reprends les inondations de Draguignan. Quand il a fallu à Draguignan, sur les premières interventions, alors que nous entendions qu'il y avait des morts dans la ville de Draguignan parce que nous étions à 17h et que c'était les sorties d'école, etc., et que c'est les pompiers de Draguignan qui pouvaient intervenir, et eux seuls, parce qu'on n'avait pas de possibilité d'arriver des renforts, je peux vous dire que psychologiquement, chez les gens de Draguignan qui n'avaient pas de nouvelles de leur famille alors qu'ils annonçaient un cataclysme sur la ville, c'était très impactant, très compliqué. Leur outil, leur caserne détruite, ils partent avec les moitiés des engins détruits, et quand ils partent, ils ne savent pas sur qui ils vont tomber, ils entendent, ils n'ont pas de nouvelles de leur famille. C'est extrêmement angoissant. Et là, il faut qu'on fasse attention, parce que, bien évidemment, on peut se retrouver
sur des décisions qui sont complètement en dehors de ce qu'elle devrait prendre, de ce qu'elle devrait prendre. Alors, c'est bien évidemment, c'est pas schématisé, c'est la réalité de ce qui s'est passé, mais c'est exacerbé sur cette intervention-là, bien évidemment. Mais nous, tout commandant des opérations de secours, et on le fait beaucoup au FDF 5, en ce moment, on encadre un feu de forêt niveau 5, hein, donc commandant des opérations de secours en feu de forêt, qui est une des formations les plus importantes, enfin les plus impactantes un petit peu psychologiquement, où on se remet en cause. Pourquoi ? Parce que c'est des opérations à cinétique rapide. Donc, contrairement à nos autres opérations qui sont non moins techniques, hein, mais le feu de forêt a l'avantage ou le désavantage d'être tellement avec des cinétiques rapides qu'on doit prendre des décisions rapides, parce que si vous perdez trop de temps la décision, bah, votre feu, il a pris des conséquences catastrophiques. Donc, on est aujourd'hui là-dedans, et la première chose qu'on apprend à nos chefs de PC ou à nos commandants des opérations de secours, c'est de déceler le gars dans l'équipe qui ne va pas bien. Voilà. Et là, il faut tout de suite prendre des mesures avec cette personne-là. Autrement, les choses vont s'envenimer. C'est un peu malheureusement comme le Covid aujourd'hui. Quand il y en a un qui a le Covid, bah, les autres autour, faut se protéger. Voilà. Par rapport à cette formation au feu de forêt à l'école d'application de la sécurité civile et à l'élément de stress que l'on évoque, on parlait tout à l'heure de la réalité virtuelle et des serious games. Et il y a également la réalité augmentée et les casques immersifs qui permettent de mettre en condition de stress d'une toute autre sorte, avec les bruits. C'est également un facteur intéressant et un apport pour la pédagogie. Oui, parce que ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, apprendre à être surpris. Et on met dans les conditions et on le teste, hein, les casques, hein, on le teste. Et moi, je rêve de l'exercice de gestion de crise où on met vraiment les gens en virtuel, c'est-à-dire qu'on leur montre des images de ce qui se passe, d'explosions, de feux de forêt, de maisons qui brûlent, etc., vraiment dans l'espace virtuel. Et ensuite, on les fait faire leur métier, le commandement. Et là, on verra qu'ils sont imprégnés de ces images-là. Et c'est de là qu'il faut… c'est la résilience de l'individu comme la résilience de l'organisation derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, sur lequel il faut qu'on aille, ça, c'est certain. J'en profite également pour remonter… La remarque du lieutenant-colonel Isaac tout à l'heure par rapport à la proposition de Mme Bonnaise relative à l'expérimentation au sein de l'école, qui se dit totalement favorable, lui, pour sa division. Il est en charge de plusieurs divisions, dont les formations à la gestion de crise, mais pas que. Et voilà, cette expérimentation pourrait être intéressante. Et au sein de l'ENSOSP, nous avons également acquis des lunettes donc, de réalité augmentée de réalité mixte, et on travaille donc dans le cadre d'un projet européen et on pourrait effectivement mettre en œuvre ces lunettes pour de la formation peut-être à la gestion de crise demain. Je me permets juste d'intervenir, vous avez une petite question qui est extrêmement intéressante sur, je me permets de la lire, merci pour cette présentation, ça c'est gentil, c'est très intéressant. La population est le premier maillon de la chaîne de secours, à votre avis, est-ce qu'elle est prise en compte suffisamment de matière active le moment de prendre les décisions? Est-ce que leurs avis sont pris en compte ou il existe une difficulté de la prendre en compte à cause d'un manque de connaissances techniques? Moi, je pense qu'elle est très intéressante parce que, alors bien évidemment que nous, on doit justement maîtriser notre stress et que la population ne maîtrisera pas forcément son stress, c'est une évidence. Par contre, on essaye d'interagir avec la population, notamment avec les médias sociaux, hein, les médias sociaux en gestion d'urgence, les MSGU, ce qu'on en appelle dans le jargon un petit peu pompier, c'est-à-dire qu'on monitore les réseaux sociaux pour en ressortir des images, des informations qu'on va ensuite traiter en renseignement, mais on ressort un petit peu les choses, et puis ensuite on passe des messages à la population, restez dans vos maisons, restez ceci, et on a, grâce à ces messages, l'ambiance de ce qui se passe, pour voir aussi si on n'a pas un décalage entre ce que nous on pense et puis la réalité de ce que la population perçoit. Donc à travers cette question, bien sûr que depuis quelques années, 4-5 ans maintenant, on est en interaction avec la population, à la fois montante et descendante d'ailleurs, pour justement intégrer ça dans nos schémas de décision. J'ai une question pour Christelle. Il y a une personne qui se demande quelles peuvent être les applications pratiques de tes recherches en termes d'entraînement individuel possible, cognitif ou comportementaux, pour une meilleure prédisposition face à l'incertitude. Est-ce que tu... Alors, je ne sais pas si ça peut être une application pour s'améliorer.
Mais oui. En tout cas, on vient de le voir à travers la discussion, c'est évident que ça peut être un outil d'évaluation d'un profil qui peut être très enrichissant pour comprendre déjà comment se répartit la population d'un groupe donné, dans des populations aussi, des groupes porteurs de pathologies particulières, ça peut être aussi extrêmement intéressant. Alors du coup, après, ce que j'ai montré dans le début, qui n'était pas dans le contexte extrême, hein, on était dans des conditions de gambling ou des tâches, on a fait aussi des tâches de, où on mime des tâches de casino, de machine à sous avec les rats, et on montre qu'on a un intérêt thérapeutique, et ça rejoint un peu dans la présentation que tu as faite, Olivier, tu parlais des autres pathologies sur lesquelles je travaille, l'addiction ou les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, et où là aussi, on peut faire un lien quand même avec des prises de décision dysfonctionnelles, finalement, dans ces pathologies, puisqu'on est dans la répétition d'actions, malgré le fait qu'on sache qu'on les répète et que ce n'est pas bien, on ne peut pas s'en empêcher. Donc, il y a quand même un dysfonctionnement aussi dans des structures qui sont en commun dans le cerveau. Et la manipulation du noyau subthalamique que j'ai évoqué pour le traitement de la maladie de Parkinson est actuellement aussi utilisée pour aider les patients TOC. Et nous, notre hypothèse, comme tu le disais, Olivier, est que ça pourrait être bénéfique dans le traitement de certaines formes d'addiction. On a des données très récentes qui devraient faire un peu parler dans les semaines à venir là, et qui confortent vraiment le cerveau comme étant un nœud critique pour cibler peut-être des thérapies pour les addictions. Donc, tout ça, évidemment, il y a du lien parce que le lien commun, c'est tout ce réseau de structures qui sont partagées dans ces différentes pathologies. C'est des actions comportementales qui sont proches de prises de décision qui ne sont pas forcément adaptées, hein, si on ne doit pas dire correct ou juste. Il y a des comportements, en tout cas, qui font pas du bien pour l'organisme et pour son entourage dans les contextes des addictions ou pour les TOC. Ça pollue la vie de tous les patients d'avoir ces actions répétées et qui sont incapables de prendre le contrôle et d'avoir cette inhibition qui fonctionne pour empêcher des mouvements qui voudraient réprimer. Donc, il y a du lien avec tout ça. Donc, ce qu'on fait, évidemment, il y a des aspects thérapeutiques évidents. On ne va pas soigner tout non plus. Il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Donc, voilà, sur la prise de décision, on sait qu'on a un impact chez certains patients parkinsoniens qui étaient plutôt... traité par pharmacologie médicamenteuse dopaminergique, hein, au début de la maladie, c'est normal. Certains développent des jeux pathologiques, des achats compulsifs quand ils sont sous leur traitement. On sait que le fait de les stimuler dans le noyau subthalamique réduit ces formes pathologiques de troubles du contrôle des impulsions. Bon, c'est accompagné aussi d'une baisse de leur traitement dopaminergique, hein, donc c'est assez compliqué. Mais voilà, il y a quelque chose qui peut être applicable. Moi, j'y vois surtout un intérêt pour l'instant plutôt prédictif et descriptif de profil qui peuvent être une source intéressante de réflexion pour justement des stratégies de recrutement éventuellement. Voilà. Et justement, sur le Parkinson, il y avait une question. Il y a quelqu'un qui se demandait si les Parkinsoniens étaient moins aptes à prendre des décisions. Alors, eh ben, ils sont moins aptes. Ils ne prennent pas forcément les décisions comparables à des sujets qui ne souffrent pas de maladie de Parkinson. Ça peut être un ralentissement dans la prise de décision qui est bon, aussi lié au ralentissement global de toute façon. Des patients parkinsoniens, mais comme je le disais, ils peuvent avoir aussi des hyper-réactions quand ils sont sous traitement pharmacologique, et certains montrent des dysfonctionnements terribles dans leur prise de décision et peuvent développer du jeu pathologique, par exemple. Et est-ce que le vieillissement a été... Pardon ? Est-ce que le vieillissement a été examiné sur la prise de décision ? Est-ce qu'il y a des données là-dessus ?
Alors, je n'ai pas les connaissances exhaustives de tout ce qui a été fait. Il y a énormément de choses qui ont été faites. J'imagine bien que dans certains tests comportementaux de prise de décision, il doit y avoir des données sur des populations vieillissantes. Je n'ai pas fait une recherche exhaustive de cet aspect-là. D'accord. Alors, il y a énormément de questions et de commentaires. Je ne sais pas si on a vraiment le temps d'aller au-delà. Il est déjà 20h10. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a encore beaucoup de questions et de commentaires qui peuvent intéresser peut-être davantage Moi, pas de souci. Pardon ? Pas de souci. 20h15, c'est bien, non ? Voilà, 20h15, il me semble que c'est bien donc pour peut-être conclure. Voilà, ça vous va, messieurs, mesdames ? Pas de souci. Voilà, bon, écoutez, à ce moment-là, on va peut-être en rester là et je vais vraiment, au nom de notre association, vous remercier infiniment pour cet échange qui a été, je pense, intéressant, qui a été très suivi puisqu'il y avait plus de 200 participants là au début. Bon, ça a pas mal diminué depuis. Hein, et je pense que ça a été quand même extrêmement intéressant et peut-être, je retiens aussi, productif peut-être sur le plan des interactions, des échanges que vous allez peut-être avoir avec au niveau de la recherche avec Christelle Bonnez. Voilà. Si ça peut amener à ces échanges-là, ben moi personnellement j'en suis ravi. Merci. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si, commandant Stéphie, vous voulez faire une petite conclusion aussi. Uniquement vous remercier pour. Pour vos interventions et vos réponses très claires. Et à nouveau, vous remercier au nom du directeur de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Et je ne doute pas que nous nous verrons l'année prochaine pour une prochaine conférence au sein de notre école, dans notre amphithéâtre. Voilà, dont on va essayer de déterminer, pour laquelle on va essayer de déterminer un thème qui puisse réunir les scientifiques et les professionnels sur le terrain. Voilà. Merci à vous. Merci infiniment. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée et à bientôt.